Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, on se retrouve après cette guerre d'indépendance qui a duré quand même assez longtemps. Je crois qu'elle a duré 21 ou 24 ans. Donc il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait, bon, ça m'a coûté du temps, mais j'ai réussi finalement. Pour faire un résumé vite fait de la guerre d'indépendance, ça a consacré le roi de Galice et de Léon m'a déclaré la guerre de cette guerre d'indépendance. La botte de l'Italie était contre moi. La Hongrie était totalement retournée contre moi. Toute cette région-là, en gros, de Valachie jusqu'à la Russie, ben, c'était contre moi. La Scandinavie était entièrement contre moi, à part la Norvège. Le Danemark était contre moi. Et j'avais quelques petits territoires qui étaient aussi contre moi. Donc en gros, c'était... Et bien évidemment, l'Empire byzantin, ben, j'avais oublié les possessions ici. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... je me suis fait totalement envahir de ce côté-là. J'ai pris du temps, mais j'ai gagné ici, j'ai gagné en France. Puis après, en fait, c'était petit à petit, j'ai regroupé mes forces et je l'ai battu. Mais bon, ça a quand même pris 20 et quelques années, hein. Parce qu'une guerre comme ça prend énormément de temps. Donc voilà, je vous le dis. Bon, finalement, j'ai gagné. Et j'ai redistribué, comme ça, vous voyez des petits changements, 22 duchés à 22 personnes différentes, on est que les trades, voilà. J'ai récupéré le royaume de Léon, d'ailleurs. Je sais même pas les lois qu'il y a ici. Voilà. Voilà, un petit cadeau. Ah, hop. Donc voilà, il s'est vraiment passé beaucoup de choses, hein. Bon, on a finalement gagné, voilà. Et mon empereur est aussi mort, hein. C'est pour ça que la guerre dure aussi longtemps. Mon empereur est mort en plein milieu. C'est sympa. Et j'ai dû me retaper une autre guerre après. Donc voilà, je me suis tapé deux guerres en fait, indépendantes. Bon, au final, j'espère que ça va maintenir la diplomatie comme ça. Ça va être dur, mais je pense que ça passera. Je me suis fait un bon trésor de guerre aussi durant cette guerre. Hein. Il faut dire que j'ai profité pour vraiment piller les personnes. Hein. Donc voilà, ouais, j'en ai profité. Bon, l'Italie, donc l'Espagne est quasiment entièrement sous mon autorité. Il n'y a plus que quelques petites provinces par ici par là qu'il faut que je fasse la guerre pour y récupérer, mais bon, ça ne durera point longtemps. Ah bah voilà, il n'y a déjà plus de rébellion. Donc je suis plutôt content. Donc voilà, maintenant j'ai quelques petits endroits à des révoltes, mais ça va. C'est plus le gros bordel. Hein. Donc voilà, je vous ai épargné ça parce que ça m'a quand même pris, je vous le dis en toute honnêteté, 2 heures à 3 heures de jeu. Donc là, je vous laisse imaginer, on va dire à peu près des vidéos de 30 minutes. Donc voilà, vous voyez le nombre de vidéos que ça m'aurait demandé. Voilà, c'est pour ça que je voulais couper entièrement. Parce que je trouve que c'est pas possible que je vous filme ça, ça prend trop de temps en fait. Trop de temps, et en plus ça apporte rien pour vous, ça apporte rien, parce qu'au final c'est juste un peu une guerre civile, quoi. C'est tout, c'est une guerre civile, quoi. J'ai gagné la guerre civile, je vous fais un petit récapitulatif, je pense que c'est déjà suffisamment important pour vous, je pense, parce que vous avez déjà toutes les informations nécessaires. Ouais, je peux uniquement vous laisser imaginer le casse-pied stratégique quand vous êtes en guerre contre autant de personnes. Hein. Bon, je remercie mon escorte. Hein. Et hop. Voilà. Je remercie mes escortes qui ont fait un boulot exceptionnel. Hein. Faut pas le nier. Oui, bien évidemment, les centaines de mercenaires. Hein. Voilà, ça c'est mieux. Donc voilà, c'est...
Mais pas, ouais, c'est, tout ça s'est bien passé, donc voilà. Donc ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis rendu compte en fait que l'Empire byzantin est victime d'un bug. Je ne sais pas pourquoi, en fait ils veulent pas s'arrêter tant qu'ils n'ont pas entièrement récupéré tout le territoire. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un bug, donc je vais pas m'avancer sur ce point. En tout cas, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Bon, on va s'en contenter. Voilà. Et maintenant, nous allons reprendre donc l'âme après vous avoir expliqué ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer le plan. Vu que ça a un peu explosé l'Empire ici, je vais en profiter pour déclarer guerre un peu à tous les petits royaumes indépendants. Et surtout ceux dont j'ai besoin pour créer l'Empire romain. Se dire qu'il me faut la Tunisie, il me faut Alexandrie. Non, ici j'ai déjà. Il me faudra aussi duché de Thrace, mais bon, ça je le récupérerai dans la guerre contre l'Empire byzantin, c'est pas le problème. J'ai à peu près déjà en fait calculé toutes les guerres qu'il y avait à faire. Vous en aurez beaucoup dans ces deux vidéos là, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi Ah oui, je vous rappelle que j'étais marié à l'héritier du royaume d'Angleterre, oui. Et le roi d'Angleterre est bien évidemment mort, son fils. Donc maintenant mon mari est roi d'Angleterre. Très bien. Et leur héritier sera l'héritier de la couronne de l'Empire et de la couronne d'Angleterre. Vous comprenez maintenant pourquoi je soutiens autant la couronne anglaise, étant donné qu'au final ça va me revenir. Très important ça. Tout ce qui me revient, c'est intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant j'ai évité de faire. Vu que le roi d'Écosse est mort, donc c'est dire que je suis plus du tout allié avec eux. Donc maintenant je peux maintenant déclarer la guerre sans regarder à qui je déclare la guerre. Parce que appel aux armes, il n'y a plus que le roi d'Angleterre qui peut m'appeler aux armes. Ça évitera de faire les petits gafouillages que j'ai déjà fait, par exemple déclarer la guerre au roi d'Angleterre. Yep. On va faire ça. Bon, en tout cas, cette guerre-là se passe très bien. Ah oui, j'avais prévu aussi de faire une guerre contre la Horde d'Or. Parce que je vous rappelle que Horde d'Or est méchante. Mais je sais pas où, donc on verra bien plus tard où on va faire la guerre. Hein. Quand on sait passer où, on prend notre temps et on avisera au moment venu. Hein. C'est la meilleure des solutions, j'ai envie de dire. Et la plus raisonnable. Donc est-ce que je peux déclarer la guerre à cette personne? Je sais plus. Bon, on va aviser. Donc voilà, on y va. Tripoli, Touro. Bon, Touro, c'est pas le problème. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, je voulais aussi vous souhaiter, bon, que j'y pense, parce que mine de rien, quand je mettrai cette vidéo, on sera dans la nouvelle année, donc je vous dis à tous et à tous une bonne année. Hein. J'espère que tout ira bien de votre côté, que tout sera au rendez-vous. Et que ça ira bien pour vous, hein. Que la santé soit au rendez-vous, que le bonheur aussi. Donc voilà, je vous souhaite une agréable... Je vous souhaite de passer une agréable année 2014 et que tout se passe bien chez vous. Ah ouais. Oui, je viens de voir un truc. J'ai oublié de redistribuer les titres de comté que j'ai, comment dire, enlevé aux petits traîtres, hein, parce que mine de rien, j'en ai eu beaucoup de traîtres, donc. Non, c'est bon.
Donc j'ai dû un peu les, je veux dire, les brusquer parce que c'est le cas. Donc voilà, il s'est passé certaines choses. Hein. J'annule en fait tous les titres que j'ai pu annuler, je le nie pas. Ah non, en fait je les ai déjà redistribués. C'est d'autres lieux que j'ai pas pu en fait redistribuer. Et le Canroon. Comme ça lui il aura en fait ce qu'il reste. Ouais, j'essaie maintenant d'équilibrer. C'est les comtés là que je peux pas donner et un autre comté je peux pourquoi. C'est pas grave. Nous verrons bien au moment venu. Hein. Alors, l'Émirat de Tunisie, pourquoi est-il en guerre? D'accord. Non, je sais pourquoi Ordor fait la guerre là-bas. Contre cette personne. Et deux secondes. C'est les aléas du direct, hein, ça. C'est... Enfin, du direct. Quand on filme, hein, parfois on oublie certaines choses à mettre en place. Bon, ouais, j'ai oublié ça, je fais vite fait. M'excuse, je m'excuse. D'accord. Je m'excuse sincèrement d'avoir fait ça. Ah oui, petite chose amusante aussi, l'armée du pape, parce qu'il faut dire ça, a un évêché ici. Et vous savez que j'aime pas avoir des terres ennemies chez moi. Donc il est fort probable que j'en déclare une guerre au pape. Là par contre, je suis méchant. Déjà que j'aurais pris la province du Latium. Oui c'est ça, c'est du Latium. Pour avoir Rome. Boum, hop, la guerre. La guerre. Bon. Non, je n'ai pas besoin. Je vais éviter les appels aux armes inutiles. Et je vous informe d'une chose, c'est que lever une flotte à maintenant applique aussi le bonus du fait de lever des armées aux ennemis, aux alliés je veux dire. Si vous levez 30 tonnes de flotte, les personnes commencent à vous détester parce qu'ils mettent, vous levez notre temps de la durée de laver des troupes trop longues en fait. Ce qui n'était pas le cas avant, ça a changé je sais pas quand, donc j'ai constaté ça récemment. Donc peut-être que je l'ai déjà dit, donc si c'est le cas, navré de me répéter. Si je l'ai pas déjà dit, ben vous êtes au courant maintenant. Voilà. Moi je sais que maintenant que c'est dit et que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ouais. On les met en l'air. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire là, parce que ça fait quand même un moment qu'on a commencé la série, je vous ai un peu tout dit sur le jeu. Hein. Maintenant, c'est plus des phases de jeu où je vous montre le jeu, où on continue ensemble plutôt que des conseils. Hein. Quand j'ai un conseil à donner, je le donne, mais sinon, ouais, c'est... ça reste des phases de jeu, donc ceux qui apprécient le jeu, ben... Yep. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai encore perdu. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas assez une escorte de quoi que j'ai perdu.
Oui, j'ai eu des pertes d'escorte assez fréquentes maintenant. Parce que mes troupes ont beaucoup d'usure et... Ouais, c'est... J'aurais peut-être arrêté en fait d'envoyer des armées, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Ah, ramenez-moi ce traître, allez hop. Je hais les traîtres. Voilà, un traître de moins. On se portera tout aussi bien sans eux. J'ai une bonne révolte ici. Ou alors c'est une révolte normale. Bon. Pour info, pour information plutôt, faut éviter de laisser les révoltes grandir. Parce que si jamais la révolte grandit trop, vous avez un gros problème. C'est qu'ils vont tout piller. Ils vont piller la région, vos bâtiments, vous allez avoir des petits... Vous allez être un peu détruits et vous allez perdre de l'argent. Ouais, je vous le dis tout de suite, donc ne soyez pas surpris. Ça m'est arrivé une fois, et j'ai pas envie que ça recommence, honnêtement. Bon, voir mais là, quelqu'un s'en occupera. Pas mon problème. D'ailleurs, quand c'est... Ah bah voilà. En fait, le... Bon, ici c'est normal. Je viens d'arriver... souvent incompétent. Je viens d'arriver, on vient de tout mettre en place, c'est normal que ça ne ça plaît pas à tout le monde. Hein. Mais bon. On va faire avec. Hein. On a toujours fait avec, hein. On a toujours eu des guerres, on s'est toujours débrouillé, donc on va continuer à se débrouiller. Et pour ça, on fait une bonne guerre. Ouais, il fallait que je fasse celle-là. Donc un bon commandant de cavalerie, voilà. Deux bons commandants. Non, lui, il est pourri. Lui, il est bien. Bien. Voilà. Et honnêtement, j'en ai marre des forteresses hérétiques, là, je vais dire honnêtement ce que je pense. C'est peut-être le... Il est déjà mort? Donc, attendez. Au pire, je liquide le fiston, le f... comme ça, je récupère tous les titres. Non, là, ça... non, non, j'ai peut-être évité quand même ce coup-là. Trainer, bien évidemment. Italien, italien, anglo-saxon, irlandais, norvégien, franc, danois, allemand. Je regarde même plus en fait le titre parce que... Russe? Non. Bon, bah... pluie. Voilà. En plus, je pars du prestige. Voilà. J'ai perdu que 100 de prestige au final dans l'histoire. Donc nous pouvons dire que nous avons rien perdu. Oula, c'est quoi ce bug? Ah d'accord, je comprends. L'armée là est donc buggée.
Non, je comprends pas. Finalement, j'ai explosé, je comprends pas. J'ai posé des troupes sans pouvoir en tuer, puis tout d'un coup, j'ai pu tuer toute son armée. Je comprends pas. Je comprends pas. On va dire que c'est un bug, comme ça on va arrêter de se questionner. Voilà, nous avons réussi. Ah bah si, ils ont mis fin à une guerre. Ah bah oui, ils ont mis fin au truc d'indépendance. Bon. Moi je pense c'est juste que ça met du temps, je sais pas pourquoi que ça met autant de temps à redevenir normal. Bon. On va dire que c'est normal. Donc ici, je perds beaucoup de troupes. La fatigue, je m'en excuse. Hein. Beaucoup de troupes. Dû bien évidemment à l'usure avec le désert. Ça faudra que je réforme aussi, mais bon ça sera plus tard. Ça j'ai perdu, je perds partout, je perds à des endroits sans savoir en fait où je perds. Après je crois que c'est des comptoirs commerciaux. Moi personnellement je m'en fiche complètement des comptoirs commerciaux. Honnêtement j'ai pas que DLC avec les comptoirs commerciaux donc ouais c'est ça en plus. J'ai raison, c'est ça, c'est... Apparemment ça rapporte beaucoup d'argent, mais bon... vous avez vu mon argent. Une bonne guerre civile permet toujours de renflouer les coffres de l'État. Vous avez compris ça, vous avez compris tout le jeu. Guisé. Katara. Et lui, bah, elle a la mine. Elle a la mine. Je sais pas comment on dit, donc je m'en excuse. Hein. Et le comté de... Catarate. Désolé, fait que la phase 20 de merde, d'accord. Je pars. Bon, j'ai compris. On est un peu marre de toutes ces révoltes. J'ai l'impression de passer plus de temps à mater des révoltes qu'à jouer en fait. Il nous faut un bon commandant. Explorateur un peu. Ça c'est bien en plus. Et le dernier. Défense, on va prendre ça. C'est pas le meilleur général, le dernier que j'ai pris. Mais bon, on va s'en contenter. Bon, on expose cette armée-là.
avec elle, la guerre est finie. Ah, enfin Constantinople à nos pieds. Accordé au comté de Thrace. Voilà. Qu'on règne moins 20, d'accord. Et le duché, je sais plus. Putain, des baronnies, j'ai. Ah oui, j'ai construit des baronnies aussi, oui, j'avais oublié. Et voilà. Bon, on a vu. Petite question. Normalement, c'était pas nous qui attaquions. Bon. On va dire que c'était un bug. Bonne mémoire, c'était nous qui attaquions, donc. Donc lui il devient comte d'Alexandrie et le duché d'Alexandrie lui appartiendra aussi hein. Duché d'Alexandrie clarité. Donc maintenant, et je me pose une question peut-être débile, m'excuse de dire ça, mais pourquoi ça s'affiche pas que je puisse créer le... Saint-Empire, l'Empire byzantin je veux dire. Je sais pas. Là je sais pas, donc c'est pour ça que je pose une question. Dois-je devenir empereur de l'Empire byzantin pour hériter, pour pouvoir avoir option de revendiquer ce empire, de créer l'empire. Oh, ouais, je suis en train de me perdre dans mes mots. Ou dois-je avoir juste ce qui est nécessaire? Ben, c'est une bonne question. Là. Là, je suis dans une question que je ne peux pas répondre en fait. Bon, on va s'arrêter pour cette vidéo. Je vais faire une petite ellipse en celle-ci et la suivante pour voir ce qui me manque en fait pour créer. Et je vous dis à tout de suite, à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien si on regarde des vidéos de deux jours différemment. Je vous dis à la prochaine fois et vive les jeux vidéo.